Massimo, il était sur ton ancien album aussi. Sì, Massimo Manzi suonava anche nell'album che abbiamo presentato in una precedente trasmissione ed è un batterista italiano molto bravo e molto richiesto. Lui addirittura credo che abbia inciso circa 150 album con vari musicisti, sia italiani che internazionali, quindi è un batterista molto quotato, diciamo. Massimo Manzi è il même batteur qui jouait sur l'autre disque che vous présentez ici deux ans avant. Massimo Manzi è un batteur très 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 connu en Italie, il a joué avec tout le monde, avec beaucoup d'artistes italiens et étrangers, et il a fait plus de 150 disques, 150 registrations. Fatto anche... E il è grande in tutti i sensi. Il è grande in tutti i sensi, come gioca la batteria, così fisicamente. E ha fatto anche un concerto con Pat Metini. Il ha giocato anche un concerto con Pat Metini. Ah, d'accordo. Lui è uno delle batterie più. E lo pianista? Il pianista, secondo me, è molto bravo, però non è molto conosciuto. Però a me piace molto come suona. E quindi e ci conosciamo da molti anni, abbiamo suonato molto insieme, io lo considero un pianista molto bravo, anche se non è molto conosciuto. Anche io ho beaucoup de molto, j'ai compris. Oui, no, c'è qualcuno che non è pas très 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 connu in Italia, ma lui, Stefano, il lo connaît da beaucoup d'années, e Stefano pensa che sia un super pianista, e allora c'è per ça qu'il a voulu lui dans les disques, il l'a invité dans les disques à jouer parce que comme ça c'est une occasion pour le mettre en valeur aussi. Et pendant... C'est un genre pianiste. Oui, ce n'est pas vraiment un genre. Quel âge il a? Quanti anni ha? Comme te. Il a 42 anni. Voilà, il est ton âge. C'est mon âge. Voilà. Et dans le jazz, 42 ans, on peut dire qu'on est jeune. Oui. We are young. Voilà. Donc. Tu sais, je propose d'écouter un autre morceau de ce disque. Et on revient à Stefano, on écoute le morceau qui ouvre cet album, que je trouve vachement bien, Girotondo, qui est un morceau avec les changements de tempo et les changements de structure, et c'est très représentatif de ce travail de Six Strings Jazz. Écoutons Stefano Mora Electrio, voilà, sur Frequence K, Girotondo. Thank you.
Girotondo su Frequence K, extrait d'un nouvel album de Stefano Mora, l'album qui s'appelle Six Strings Jazz, album qui est malheureusement pas disponible ici, mais heureusement j'ai ici dans nos mains, grâce à Claudio et grâce au fait que Stefano vient ici assez régulièrement pour visiter son étudiant favori, Claudio. Ah oui, parce que j'avais oublié de dire que Stefano Mora, il est un excellent bassiste, mais moi aussi je suis un bassiste et lui c'était aussi mon prof de basse. Mais pour ça qu'il est encore, il est encore mon prof de basse. Voilà. C'est vrai. Alors raconte-moi un peu à propos de ce morceau. Comment tu as construit ce morceau? Come hai realizzato quest'album? Come hai costruito? Ah, come ho detto prima, insomma, le composizioni sono di varie epoche, ma la registrazione è stata fatta, diciamo, in maniera un po' artigianale, nel senso che non abbiamo registrato in uno studio di registrazione, ma in casa del pianista, con una mia attrezzatura, e io ho anche curato la registrazione, il successivo missaggio, quindi diciamo che è un lavoro così un po' fatto in casa, però spero che comunque la qualità sia buona. Allora, la registrazione di questo album tu realizzi in due giorni e si effettua alla maison del tastierista, del pianista, avec la traxature qu'il avait Stefano, et c'est tout registré en deux jours. Après, il a pris du temps pour faire les messages, il a pris des semaines, mais je pense que le résultat de la qualité du son, c'est totalement bon. Que Stefano, il a fait il a joué la basse et aussi en même temps il a fait l'ingénieur du son dans les disques. Et ça, c'est une chose un peu difficile, hein. C'est comédien et réalisateur. Ouais. Voilà, d'accord. Non, mais moi, ça m'intéresse de savoir, par exemple, comment il a construit au niveau de structure ces morceaux. Est-ce qu'ils ont beaucoup travaillé pour faire ces morceaux qu'il a, les différents tempos, différents signaux? Ah, il girotondo. Diciamo che questo brano mi è venuto così in maniera abbastanza spontanea, non è molto pensato, è più spontaneo, quindi c'è anche un cambio di tempo che io ho cercato di capire razionalmente se ci fosse un rapporto preciso tra i due tempi, no? Il BPM delle due fasi del brano, ma non l'ho trovato e quindi l'abbiamo eseguito così in maniera istintiva, come era nato nella mia testa. Allora, parlando di questo morceau girotondo, c'è un morceau che è in maniera très istintiva, il y a un changement de tempo au milieu, effectivement, ma c'est très 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 irrational. Et lui, là, irrational pour qui? Irrational. Ah, irrational. Ah oui. Et Stefano, il a cherché de comprendre, mais il n'a pas compris et il a laissé cet changement de temps. Ah, d'accord. Complètement irrational dans le morceau. Donc c'est à nous pour trouver la ration. Oui, c'est la logique, c'est un challenge pour l'auditeur. Oui.